Dans le paradis de la satire, une bande de rigolos s'installe dans la République virtuelle Tintama pour vous titiller, pour vous amuser, pour vous procurer des infos coupées, décalées. Le Cameroun a négocié et obtenu du Fonds monétaire international un nouvel accord de financement dont le décaissement des fonds devrait intervenir courant avril 2021, confie des sources proches du ministère des Finances. Un décaissement assorti de conditionnalités cependant, notamment la présentation de l'audit de gestion des 135 milliards de francs CFA, environ 243 millions de dollars débloqués par le FMI, Fonds monétaire international, en mai 2020 dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Face à l'urgence et alors que le pays a besoin de l'argent pour financer son développement malgré l'impact négatif du Covid-19 sur les activités, le chef de l'État camerounais, Lonkoukouma Mpombian, vient de prescrire un audit des fonds affectés à la lutte contre le coronavirus dans un contexte où les informations persistantes font état des malversations financières dans l'implémentation de ce programme sanitaire. Suite à ces instructions présidentielles, le secrétaire général de la présidence de la République, le numéro 2 de la République, le délégataire de signature, Ferdinand Gongor, a adressé le 6 avril 2021 une correspondance au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, dans laquelle il transmet les directives de tout-puissant Mogo du Navi Cameroun. Voici la missive. En vous faisant tenir 6 juin thermocopie du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême, j'ai l'honneur de vous répercuter les autres directives du chef de l'État prescrivant l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices des cas de malversation financière irrélevés. Selon de fiables informations, en plus des 135 milliards débloqués par le FMI, il est question d'auditer sur une enveloppe de 180 milliards, environ 324 millions de dollars, y compris les 45 milliards mobilisés par le gouvernement camerounais représentant le Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. On n'oublie pas le riz, notre riz, le riz Oka. En attendant l'aboutissement de l'audit prescrit par le président de la République, certaines sources font état d'un trou de plus de 50 milliards dont les responsables concernés par le courrier présidentiel devraient justifier l'usage des fonds dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Un audit qui intervient alors que le Cameroun a reçu dimanche dernier les premières doses du vaccin britannique AstraZeneca. Pour débattre de ce sujet sensible, le ministre Black Manaouda, qui fera un mawashi à ses détracteurs, le professeur Sikati Baebek et la douce Kawala qui revient. On vous a vu au four et au moulin, on a vu tout votre engagement à beauté en toute cette pandémie. Mais ce qui est curieux, c'est que quand on parle des fonds Covid-19, tous les regards sont tournés vers vous, alors qu'il y a des gens qui manipulent ces fonds-là, qui ont manipulé ces fonds. Quel est votre avis sur cette question d'audit commandée par le suprême? Merci beaucoup de me donner la possibilité de parler d'un sujet aussi délicat que la Covid-19. Vous savez très bien que le monde entier en ce moment traverse une période un peu délicate, une période délicate, je vous l'ai dit. Voilà, c'est qui est très voilà. Voilà, une période difficile compte tenu du fait que les économies se trouvent au sol. Vous savez très bien que la santé est aujourd'hui pratiquement boiteuse parce que rien n'est à sa place, tout est balancé, tout est comme ça désordonné à cause de la Covid-19. Alors, les bonnes règles d'une gestion voudraient que, en réalité, lorsqu'on vous donne une responsabilité financière qui émane de l'argent public, vous devez répondre par l'audit. Une audit devrait être faite pour prouver que vous avez géré de manière claire et objective l'argent qui vous a été remis. Ce qui est une démarche normale en République en termes d'éjection. Personne ne dira le contraire par rapport à cette démarche. Maintenant, est-ce que la démarche est une démarche saine? Est-ce que la démarche est une démarche objective? Est-ce que la démarche est une démarche qui vise à craquer les AVC politiques? Là est toute la question. Et je voudrais vous le dire. Ceux qui pensent qu'ils peuvent, moi, Manaouda Malachi, utiliser une position d'audit pour me déstabiliser, ils se trompent.
ils se trompent parce qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. L'agent de la COVID-19 n'a pas été remis à la disposition du ministère de la Santé. Détrompez-vous. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans la réclamation, vous êtes. Et je crois que votre enveloppe est de 50 milliards presque. Hein, je voudrais vous le dire. Et monsieur Manaoud Amalachi, que je suis, n'est pas ordonnateur de dépenses. Je ne suis pas ordinateur de dépenses. Donc, si en réalité, je devrais utiliser un agent, je vais vous faire une confidence. Est-ce que vous savez que moi, Manaoud Amalachi, j'ai utilisé moins de 200 millions sur cet agent. J'ai eu la responsabilité de gérer moins de 200 millions. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y avait tout un comité de gestion pour ce qui était la crise à Covid-19. Parce que c'est une crise particulière. Mmh. Elle n'est pas essentiellement du ressort du ministère de la Santé publique. Mais il est du ressort national de la République. Donc, il faut les comprendre. Moi, j'ai géré sensiblement 200 millions de francs CFA. Je vous écoute. L'audit a été fait à mon niveau. Vous serez supprimé au dernier jour. Les personnes les plus insoupçonnables seront les personnes arrêtées, craquées et arrêtées. Vous serez étonné que les personnes qui seront arrêtées seront les personnes dont vous ne vous imaginez pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai exactement fait mon travail. Je vous le dis. Est-ce que vous savez, par exemple, que pour ce qui est de la COVID-19, l'agent avait été mis à disposition pour passer dans les maisons pour sensibiliser les gens? Vous le savez? Je ne savais pas. Mais il n'y a jamais mais eu... Mais je n'ai jamais vu quelqu'un passer dans ma maison. Il n'y a jamais même eu... Même devant ma porte seulement. Il n'y a jamais eu de sensibilisation concernant la COVID-19. Mais où est passé l'agent? L'agent n'était pas au ministère de la Santé. L'agent, il y avait plusieurs poches de responsabilité connaissant la COVID-19. Attends, l'agent est au ministère des Finances alors quoi? L'agent, l'ordinateur des dépenses, c'est le ministère des Finances. Il faut le savoir. Deuxième des choses, c'est que l'agent, il y a eu des commissions jusqu'à la présidence concernant l'agent de la COVID-19. Donc, lorsque l'audit sera définitivement conclu, vous serez étonné de savoir que M. Manaoud Amalachi, que je suis, je n'ai rien fait. Je n'ai rien pris. Ce que j'ai pris, j'ai justifié. Les factures sont là. J'ai remis tout en ordre. Et vous serez étonné. Je n'ai rien fait du tout. D'accord. Et professeur Sikassi Baïbek, on dit que les gens vont justifier l'agent de Corona. C'est normal, non? Qu'est-ce qui est normal? Ah, c'est pas normal qu'on justifie? On veut justifier l'agent de Corona qu'on a déjà justifié quel agent? Ah d'accord, c'est nouveau. Donc, mais vous savez que l'agent du Corona n'est pas l'agent du contribuable camerounais, c'est l'agent que le FMI a à disposition. C'est ce que je suis en train de dire, Jules Tony. Ils vont nous faire marrer, tourner comme ça et après on n'aura rien. Ces gens ont volé l'argent. Ils ont volé l'argent. Mais nous savons que... Ah. C'est ce qu'on refuse de nous dire. Puisqu'on veut encore demander l'autre, on demande qu'avez-vous fait de ce que je vous avais d'abord donné. On dit, vous appelez où c'est l'audit? Pourquoi ne pas chercher un cabinet indépendant pour faire l'audit? C'est la question qu'on se pose très bien. C'est tous les mêmes amis, les mêmes frères qui vont passer dans les bureaux pour dire, oui, j'avais pris ma part, écrit ici que j'avais fait des choses avec. Ce sont des voleurs. C'est tous des voleurs. Vous voulez faire l'audit sur l'agent du COVID. Qu'est-ce que vous avez fait pour la peine? Qu'est-ce que vous avez fait? Où est le résultat de l'audit de la peine? On n'en sait rien. Mais il faut dire que les gens sont là, chacun remplit ses poches. Et ça quand, vous on sent que, quand on sent déjà que ça a cuit, comme on dit souvent au quartier, chacun commence à chercher, il faut faire l'audit, il faut faire ceci. Et ça vous énerve? Mais moi, si ça dépendait de moi, que les femmes ne donnent plus aucun 5 francs pour ce genre de choses. Parce que c'est ça qui encourage même. Le peuple souffre. Monsieur le journaliste, si vous pouvez me permettre, professeur Baïbek, calmez-vous. Mais ça énerve, madame. Ça énerve. Je vous sens assez tendu. Alors, ce que moi, personnellement, la douce Kawala voudrait apporter à ce sujet comme commentaire, c'est que en fait, les dirigeants camerounais se croient seuls au monde, ils se disent sur un nuage, n'est-ce pas, où aucun membre du peuple ne peut atteindre. Alors, ce qui revient à dire que
Je ne sais pas comment les gens peuvent avoir, n'est-ce pas, mais ce sacré culot de détourner l'argent du peuple comme si on était des inconscients. Nous recevons des aides de part et d'autre. Pour une pandémie comme la COVID-19, n'est-ce pas, qui est en train de sévir de par le monde entier, et principalement au Cameroun. Ces membres du gouvernement n'ont eu aucune pitié. Ces membres du gouvernement ne se soucient pas du peuple, du bas peuple, qui n'a aucun moyen de se défendre face à cette pandémie. Rien du tout. Le FMI peut envoyer de l'argent, oui. Vous vous permettez, vous vous donnez le luxe de le détourner. Vous avez dit, on a acheté des respirateurs à tel montant. On a acheté des seringues à tel montant. On a acheté ci, on a acheté ça. Vous rendez compte, un compte mensonger à ce niveau au peuple, ignorant que le peuple est à même de mener ses enquêtes et de se rendre compte que vous l'avez trompé. Mais vous ne parlez que de l'argent du FMI. Les contributions qu'ils ont obligé les entreprises qui passent le temps à ne pas payer l'eau et qui ont donné de l'argent, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Professeur Baïbek, j'en arrive. Baïbek Sikati. Oui, on sort de ce sujet. Ce que je voudrais dire, en fait, moi, je ne vais plus assez m'étendre là-dessus. Je voudrais tout simplement appeler à la conscience de ces dirigeants camerounais. Ayez la crainte de Dieu dans ce que vous faites. L'argent ne finit pas, c'est l'homme qui finit. Vous amassez l'argent, qu'allez-vous en faire? Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons connu toute une vague de personnalités, de sommités qui s'en est allée, ayant pour certains détourné de l'argent, ayant pour d'autres n'avoir pas pu eu l'occasion de détourner. Qu'ont-ils fait de cet argent? Et vous qui continuez de détourner de l'argent, qu'allez-vous faire de cet argent? Ayez la crainte de Dieu dans ce que vous faites. On prend l'avis du ministre, on sort. Je voudrais, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, que vous dites aux panélistes qui sont sur le plateau de ne pas mettre les organes. Parce que, nous mettons tous les organes. Parce que ça nous aidera pas. Parce que malheureusement, le vrai problème du Cameroun, c'est que, comme je l'ai dit, la maladie la plus grave de ce pays n'est pas la COVID-19, mais c'est malheureusement l'ignorance. Lorsque les gens ne savent pas les fonds des dossiers, lorsque les gens n'ont pas l'information... typique de monsieur le ministre, ne nous insultez pas. Qu'est-ce que vous appelez que les gens ne connaissent pas le fond des dossiers? Les Camerounais sont au courant de tout. Quand vous rendez compte, c'est pour les aveugles ou les sourds. Alors, je vous dis sans répondre à une femme, parce que mon éducation, l'élégance de mon éducation ne me permet pas de répondre à une femme. Mais je vous dis que vous le compreniez. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où la crise est la plus préoccupante. Nous devons nous préoccuper de la vie des uns et des autres. Nous devons nous rassurer que coronavirus soit une histoire lointaine de notre pays, une histoire qui aura traversé notre pays sans véritable dégâts. C'est le plus essentiel, le plus essentiel. Moi, j'aurais été le président de la République du Cameroun, que j'aurais investi une audite ou un audit, si vous voulez, mais après l'éjection de cette crise, je ne l'aurais pas fait pendant que nous sommes au feu au moulin pour pouvoir éloigner la COVID-19 de nous. Mais je voudrais rassurer aux Camerounais, si dans mon ministère, si moi, Manayouda Malachi, j'ai mangé un seul 5 francs de cet argent, je payerai et j'accepterai de subir toute l'humiliation qui ira avec. Mais si quelqu'un d'autre a mangé, mais qu'on n'aille pas demander les dents de la panthée à celui qui a consommé la queue. Voilà qui est très bien dit, merci bien.